Bonjour, Bobby. Allons bon. Remplaçons ce vieux pare-choc. Ah, écoutez-moi, les mécaniciens. Pouvez-vous enlever le pare-choc, s'il vous plaît? Avec précaution. Attention. Attention. Attention, les mécaniciens. Nous devons travailler ensemble. Aïe! Ouh! Ouf! Merci, Hiver. Oh, oh mince! Vous allez devoir finir la réparation tout seul, les mécaniciens. Vert! Ah, ouf! Merci, Hiver. Oh, les mécaniciens, vous devez travailler ensemble. Oh, bon travail, les mécaniciens. Vous voyez ce qu'on peut faire quand on travaille en équipe? Comme neuf, Bobby. Bien joué, Vert. Salut tout le monde. C'est Gecko. On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est bébé camion. Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Je suis désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! Et voilà, Eric. Ça va mieux maintenant? Oh! Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est Max, le Monster Truck. Il ne devrait pas jouer ici. Les chantiers sont dangereux. Hein? Regarde le désordre qu'il provoque. Oh non! Max est en panne de carburant! Il faut le sortir avant que le béton ne sèche! Vite, les mécaniciens! Allez chercher le carburant de secours! Oh mon Dieu! Ce béton sera dur dans moins d'une minute!
Ah! Mais comment allons-nous donner le carburant de secours à Max? Oh, Eric a fait un pont. Wow. Le béton est presque dur. Allez, Max, allez. On dirait que Max a appris la leçon. Merci, Max. Une autre panique derrière nous. À la prochaine fois. Au revoir. D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact. Un kebab gratuit pour chaque client. C'est sûr, ça va me faire plus de clients. Allez, Eric. Cuisine plus vite. Est-ce que quelque chose brûle? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Non! Mon beau barbecue! Non! Fiona, le camion de pompier! Il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona! Utilisons l'extincteur! Oh! Je te tiens! Dieu merci, tout le monde est sain et sauf. Bon travail, tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Merci, Rouge. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Regarde là-bas. Bébé et maman camion vont faire un pique-nique. Mais bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, bébé camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. C'est ça le problème, bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens. Allez chercher de l'eau. Oh là là! Tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah! J'ai trouvé! Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, bébé camion. Il est temps de se rafraîchir. Ah!
mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez, on dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh, oh bleu, je sais que la tempête est effrayante, mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh, oh là là, il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, Bleu. Tu es très courageux. Oh non! Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, Bleu. Oh, bravo, Bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde, un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. Oh, quelle belle journée ensoleillée. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Wow! Avec ce gros ballon, on verra mon garage à des kilomètres à la ronde. Ha ha! Ah, qui ça peut être? Je suis occupé. Max? De l'air pour tes pneus? Oh, très bien. Ah, attends, Monsieur Weasel ne met pas de l'air dans les pneus de Max. Il met l'hélium de ses ballons. Ce qui veut dire... Ne t'inquiète pas, Max, j'arrive. Hey. Oh. C'est un sacré coup de tournevis. Comment ça, de ma faute? Oh. Oh. Ne panique pas, Max. On va trouver quelque chose. Max, si je laisse sortir un peu d'air des pneus... On va partir en trombe comme un ballon. Oh. Ah. Ouh. C'est ça, Max. Direction le garage. Ah. Oh. Et voilà, Max. Ils sont comme neufs. Je vais lui montrer à ce Gecko dès que mon ballon publicitaire sera prêt. Oh. Ah! Oh, bonjour tout le monde. Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage. Oh, hii! C'est Bobby le bus. Il est coincé. Oh. Ce chocolat chaud va te réchauffer. Ah.
Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh. Ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige. Oh, cher Bleu, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée. Ça a marché. Accroche-toi, Bobby. Il n'y a pas de quoi, Bobby. Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Aha! Parfait! Joyeux Noël à tous! Bonjour tout le monde! Bienvenue au garage de Gecko! Il y a beaucoup de boue aujourd'hui, alors nous préparons le lavage de voiture. Regardez! Voilà bébé camion qui vient se faire nettoyer! Salut bébé camion! Laisse-moi deviner ce que tu viens faire ici. Splish, splash et splosh. Lavage de voiture de Gecko activé. Ce n'est pas bon. Tu es encore plein de boue. Bien sûr! On ne l'a pas rempli de savon. On ne peut pas être propre sans savon. Maintenant que le savon est rempli à ras-bord, on peut laver toute cette boue. C'est bizarre. Les rouleaux sont faits pour enlever les bulles. Ah ah, c'est ça. Bébé camion est trop petit pour que les rouleaux puissent l'atteindre. Le lave-auto fonctionne et bébé camion est étincelant de propreté. C'est la signature de Gecko. Au revoir! Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf! Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être hanté.
parti. Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Venez les mécaniciens, aujourd'hui on a la visite de Fiona. Waouh! Je suis Will Watty Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour Monsieur Weasel, je suis Gecko. Ah, voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc on peut dire que les roues Weasel sont numéro 1. À plus tard, grenouille. Mon nom est Gecko. Très bien, Floella. Ce ne sera pas long. Je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh. Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh, ciel! Elle n'a pas l'air bien. Viens donc, Fiona. On va regarder ça. Voilà le problème. Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile. On a réparé le problème correctement. Maintenant, Fiona roule sans bulle. Je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Berk. Oups. À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir. Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, Jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, Jaune. Bien joué, Eric! Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, Jaune?
Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir, ici, au garage de Gecko. Quoi? Fiona, camion de pompier. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton tuyau ne fonctionne pas? Jetons un coup d'œil. Ne t'inquiète pas, Fiona. On va vite te réparer. Je vais prendre ma meilleure clé à molette. Quoi? Allez les mécaniciens, aidez-moi s'il vous plaît. Tu vas bien, Jaune? Bon, je pense que le problème est réglé. Merci de nous avoir rendu visite au garage de Gecko, Fiona. Au revoir! Salut tout le monde! Bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini. Attendez! Les mécaniciens! Je suis encore en haut! Bobby! Bobby! Oh mince! Il ne peut pas m'entendre! Les mécaniciens! Vite! Faites quelque chose! Regardez! Un pont droit devant! Wow! C'était vraiment moins une! Ouh! Oh, regarde! Un pont haut! Bonne idée, les mécaniciens! Il faut juste que j'attrape l'échelle! Oh! Raté! Et maintenant quoi? Oh! Wow! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! C'est bon, Bobby! Tu ne savais pas! Et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir! Bonjour tout le monde! C'est l'anniversaire de Vert! Et on se prépare pour une fête à la plage! Oh oh! Reste là! Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah! Tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention, Fiona! Ne roule pas sur le... sable mouillé! Vite! La marée monte! Oh!
va te sortir de là, Fiona. Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons verts. Je sais que tu aimes tes ballons, mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus! C'est super d'avoir partagé les verres! Et joyeux anniversaire! Hourra! Salut tout le monde! C'est Gecko! On a une belle journée ensoleillée! Alors je me suis dit que j'allais observer les oiseaux! Oh, regarde! Ce sont les jumeaux! Barry et Carrie! Barry est tombé! Vite les mécaniciens, on doit l'aider! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Ne t'inquiète pas Barry, on va vite te sortir de là! Bleu! On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Oh, Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir! Oh! Salut tout le monde! Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention les mécaniciens, ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune, ne touche pas ce bouton! Thank you.
Merci, les mécaniciens. Vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci, Vicky. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Bienvenue au garage de Gecko. C'est une journée calme aujourd'hui. On fait un peu de nettoyage de printemps. Hein? C'était quoi ce bruit? Bobby le bus, tu n'as pas l'air bien du tout. Viens, on va t'examiner. Oh là là, Bobby ne va pas bien du tout. Voyons voir si on peut trouver ce qui ne va pas. Peut-être que ton radiateur a besoin d'eau. Allez, allez les mécaniciens. Aïe! Non! Ce n'est pas ça. Attends une minute. Aha! Le pauvre Bobby a une fuite d'huile. L'huile permet au moteur de fonctionner en douceur. On peut réparer ça. On a trouvé la source de ton problème. Il y a une fuite d'huile dans ton tuyau. Vert va boucher le trou en soudant avec des étincelles brillantes. Un plâtre gardera ton bobo à l'abri. Yeah. Hourra ! Bien joué, Bleu. Bien joué, Vert. Tu te sens mieux, Bobby ? Un autre client heureux. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine au garage de Gecko. Au revoir. Bonjour à tous. Je suis Gecko. Aujourd'hui est un jour très spécial. Première visite de bébé camion dans notre garage. On veut donc lui faire un accueil tout particulier comme Gecko sait si bien le faire. Bonjour, bébé camion. Tu es nerveux? C'est bon, tu es entre de bonnes mains, n'est-ce pas les mécaniciens? Ah! Oh! Oh! Bébé camion! Attends! Oh non! On a fait fuir bébé camion! Ne t'inquiète pas, maman camion. On va le retrouver. Vite, les mécaniciens! On doit trouver bébé camion! Pauvre petit camion! Où peut-il être? Tu te caches, bébé camion? C'est parce que tu es nerveux? Devine quoi? Moi aussi. C'est ta première visite au garage. On voulait que ça soit vraiment très spécial. Je suis désolée si on t'a fait peur, mais je te promets, on va s'occuper tout particulièrement de toi. Est-ce que tu es d'accord? Les portes du garage s'ouvrent à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Passe une excellente journée, bébé camion. Tu as été très courageux. Oh, de rien, bébé camion.
Merci beaucoup d'être venu au garage de Gecko aujourd'hui. Au revoir. C'est Maman Camion et Bébé Camion. Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer. Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement. Un autre effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils. On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? Je ne savais pas que tu étais si forte. Maman Camion a sauvé la journée. Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres. À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko.